Allô? Bon, depuis la classe est terminée, j'ai eu un professeur, bon, qui est du... Bon, elle est témoin de Jéhovah. Elle nous a dit en classe qu'on ne devait pas adorer Jésus et que Jésus n'est pas Dieu, tout ça. Ça créait des confusions dans ma tête et moi j'aimerais savoir le nom de ce qu'il veut. Ok. J'étais témoin de Jéhovah aussi, donc tu peux adorer Jésus parce qu'il est Dieu. Donc ça, il n'y a pas de problème. Jésus est Dieu. Quand il est né, on a adoré, tu le sais. On a adoré. Les apôtres l'ont adoré. Voilà. Jésus est Dieu, c'est écrit. Paul le dit dans Romains chapitre 9, verset 5. Il dit Christ qui est Dieu au-dessus de tous. Donc, on l'adore. Et ils ont mis un T minuscule à chaque fois quand il est question de Jésus-Christ comme Dieu, en tant que Dieu. Alors que dans le grec, c'est toutes les lettres étaient en majuscules. Voilà. Donc, ça, c'est n'importe quoi. Les témoins de Jéhovah. Mon frère aîné était pasteur pendant 30 ans chez les témoins de Jéhovah et il s'est converti. C'est une secte. Voilà. Maintenant, et la polygamie, jusqu'à la croix, Dieu permettait notamment l'inceste, parce que nous sommes tous sortis d'Adam et Ève. Donc les enfants d'Adam et Ève se sont mariés entre eux, jusqu'à ce que la loi soit révélée avec Moïse. Mais malgré cela, il y a eu quand même des choses que Dieu tolérait, comme la polygamie, tout ça. Et quand Christ est venu maintenant, il est venu pour réformer les choses. Il disait, vous avez appris par vos anciens. Mais moi, je vous dis, vous avez appris, ça nous sommes dans Matthieu chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, et dans le chapitre 9, il redescend de la montagne. Donc là, Jésus, dans Matthieu 5, 6, 7, 8, 9, il a présenté sa doctrine. Il a dit, vous avez appris, moi je vous dis, vous avez appris, moi je vous dis, les anciens vous ont dit, mais moi je vous dis, il est en train de changer ce qu'on appelle le paradigme. Il est en train d'installer un nouveau message. Il est en train de mettre en place un programme. Et dans ce programme-là, dans Matthieu 19, on lui pose la question, qu'est-ce que la loi dit un homme, est-ce qu'on doit réputer sa femme ou pas? Et le Seigneur dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. En fait, l'œuvre de la croix nous ramène au commencement. Lorsque tu as créé Adam et Ève, et non deux hommes ou deux femmes, ou un homme avec plusieurs femmes. Non, la polygamie n'est pas la pensée de Dieu par rapport au mariage. La polygamie a été tolérée, permise à cause du péché. C'est pour cela que mes amis, la parole est claire, Dieu créa un homme et une femme. Donc c'est ça le modèle du mariage, la monogamie. Donc si demain une femme se présente, eh ben, s'il y en a 3, 4, 5, prie que je te montre celle qui est véritablement ta femme. Voilà.